Bonjour, bienvenue sur Safe Visit Live, je vous remercie de me rejoindre. Aujourd'hui, je vais vous présenter un appartement à louer situé au 161 avenue de Suffren, donc juste en face du métro, juste à ce niveau-là. Donc 161 avenue de Suffren, c'est un bel immeuble comme vous pouvez le voir. On va être au quatrième étage, c'est un deux pièces qui donne intégralement sur la cour, donc extrêmement calme. Voilà, donc on va aller voir ça ensemble. Pour entrer dans l'immeuble, vous allez avoir tout d'abord un digicode. La seconde porte, soit vous sonnez, soit vous avez la clé, et vous pouvez pénétrer. Donc, accès sécurisé. Vous allez avoir un ascenseur pour arriver au quatrième étage. Et là, l'accès aux caves, il y a une cave qui est louée avec l'appartement. Donc c'est un ascenseur qui n'est pas extrêmement grand, mais il a mérite d'être là. Bonjour. Ce qui est quand même très appréciable. Donc c'est un appartement qui est intégralement meublé. Il fait 27 mètres carrés, deux pièces. Il y a absolument tout le nécessaire pour pouvoir y habiter sans avoir à ramener autre chose que ses propres affaires. Et c'est un appartement qui a été intégralement refait à neuf il y a 4 ans. Après l'acquisition par les propriétaires et qui est extrêmement propre. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Vous pouvez voir ici que l'immeuble est fibré, donc vous bénéficierez de la fibre optique dans l'appartement. Deux appartements par palier. Donc on arrive dans l'appartement par une petite entrée. Vous voyez, donc parquet ancien au sol. Vous allez avoir tout d'abord sur la droite avec une porte coulissante à galandage la salle de douche avec un toilette, un petit meuble et puis la douche qui est sur le côté. Donc on est en eau chaude privative avec le bord d'eau chaude qui est situé à ce niveau là et un chauffage électrique. Il y a ici la pièce à vivre. Donc vous avez une petite à vivre avec un coin cuisine, donc là il y a un petit canapé qui me semble convertible. Donc si vous avez des amis qui viennent, ils pourront y dormir. Et la cuisine avec tout l'électroménager, vous avez un lave-linge, vous avez plaque induction, four, lave-vaisselle et un petit frigo. Puis le four à micro-ondes, bien sûr la hotte du rangement, une petite fenêtre sur la cuisine, une autre fenêtre sur la cour. On est partout en double vitrage, donc vous voyez, donc on est sur la cour. En face, c'est la cage d'escalier, et à côté, ce sont les salles de bain. C'est vrai que la vie est assez peu présente. Par contre, vous voyez, il n'y a pas un bruit extrêmement calme. C'est vraiment le gros avantage de l'appartement, surtout ramené en fait au coin de l'avenue, qui est quand même une avenue extrêmement passante, donc très bruyante. L'ancien four poussien qui est ici, puis la chambre. Donc là vous avez fait un grand lit, un petit espace table chevet, des chaises en plus pour quand vous recevez du monde, un grand placard assez pratique avec un espace commode et également une chambre une fenêtre au niveau de la chambre qui est également bien sûr dans la cour, donc on peut aérer et on a le calme absolu, ce qui est extrêmement appréciable. Voilà pour le tour d'appartement, c'est assez vite fait, hein. Nous avons que 27 mètres carrés, mais vous voyez c'est assez bien conçu, donc on a quand même un espace de vie quand même assez agréable. Voilà, donc si cet appartement là vous correspond, je vous invite à me faire parvenir par mail dans le mail qui est indiqué dans le SMS que je vous ai envoyé, m'envoyer un dossier complet, donc dans le cadre où vous seriez travailleur, bah, votre avis d'imposition, vos trois derniers bulletins de salaire, si vous avez la possibilité de m'envoyer le contrat de travail, vous êtes employeur, ce sera un plus. Et la même chose pour votre garant, si vous êtes étudiant, pareil, donc l'identité, la carte d'étudiant et les documents de votre garant. Les propriétaires demanderont un garant solidaire pour chaque dossier de location. Voilà. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à très bientôt. Au revoir.